Monsieur Mohamed Touré, fils du père de l'indépendance, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Secrétaire général du PDG. Justement, il est avec nous ce soir. Merci de nous honorer de votre présence. Jeunes gens de Guinée-Conakry, voici pour vous Soul. Yeah. Par le chant, j'aimerais qu'on garde une minute de silence pour nos martyrs, pour nos soldats, pour nos combattants qui sont battus pour la libération de la Guinée, s'il vous plaît. Une minute de silence. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais commencer à chanter avec Rally Diop. Je sais qu'il y a bon nombre de personnes qui vont se poser la question. Rally Diop, Diop ça sonne sénégalais. Alors, ça ne devrait pas vous étonner. La Guinée, on a une famille. La Guinée, on a le cœur de l'Afrique. Et c'est ce qui compte. L'unité africaine, l'unité guinéenne. Rally Diop, bon, malheureusement pour elle, elle est maintenant mon esclave parce qu'elle est sous moi, comme vous le savez. Bon, il y a M. Touré qui est là, bon, et ses ancêtres ont beaucoup fait pour le pays là, mais c'était grâce à nous. Hein? Peuple d'Afrique, le passé historique, le chante l'hymne de la Guinée, fière et jeune, illustre pour à se retrouver, bâtissons l'unité africaine dans les débats secours. Vive la Guinée! Vive les Guinéens! Vive la jeunesse guinéenne! Walid et Souleymane sur Banks. Assez-vous, y'a-t-il.
Quand je vais crier maintenant, attention aux couleurs, ceux qui sont là-bas, disent prêts, et nous allons chanter l'hymne national pour faire descendre les couleurs. On reprend. Repos. Repos. Numba. Attention aux couleurs. Envoyez. Peuple d'Afrique. Il est important pour l'anniversaire, c'est le temps de la maturité, c'est le temps de, disons, de la sagesse. 59 ans, ce n'est pas un jour, une semaine, c'est pratiquement presque 2 à 3 générations de Guinéens. Et je crois que c'est très important de fêter cet anniversaire puisque ça permet de rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Quelles que soient les péripéties de la suite, il faut rendre hommage à ces illustres disparus à qui la Guinée doit beaucoup. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut sortir de ce carcan des discours pour maintenant poser de véritables actes? Non, les discours, c'est pour se remémorer le passé. Les actes, c'est pour aller dans la consolidation, disons, du renforcement du patrimoine commun. Et il y a des dates qui sont très importantes. Le 28 septembre 58 est très important, c'est une date fondatrice. Le 2 octobre n'est qu'une conséquence du 28 septembre 58 et d'autres dates comme celle du 28 septembre 2009 également sont des dates fondatrices. Ce sont des étapes extrêmement importantes dans l'histoire de ce pays qui doit affirmer son identité à travers la reconnaissance de faits historiques au cours des périodes qui ont été parfois heureuses, parfois tristes, parfois sanglantes. Mais ça fait partie de notre patrimoine. On ne doit rejeter aucun aspect de notre patrimoine historique. C'est ça qui fait l'identité du Guinéen. Et dans toute sa complexité, nous devons prendre cela comme notre héritage commun. Merci. Merci beaucoup. À ceux qui sont déjà avec nous ici ce soir pour ouvrir justement cette cérémonie et ensuite continuer à faire la fête. La Guinée le mérite, c'est pourquoi sa jeunesse a eu monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. On est en train d'écouter à l'instant le discours de Hadja Sarandaraba.
Et j'ajoute que la leçon a été très bien retenue. Ça, je ne veux plus l'oublier. La République de Guinée. Le premier ministre chef du gouvernement, monsieur Mamadi Youla, avec nous ce soir pour célébrer la Guinée. Je vais devoir vous décevoir un peu parce que moi je dois faire un discours. Puisque c'est pour ça que, entre autres, on m'a demandé d'être là. Et surtout, j'ai un message pour vous. 2 octobre 1958, 2 octobre 2017. Voilà 59 ans aujourd'hui. L'engagement et la mobilisation d'hommes et de femmes qui pour la plupart avaient entre 25 et 40 ans. À prendre résolument en main les destinées de leur pays ont conduit à la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. Avant tous les autres territoires de l'ex-empire colonial français d'Afrique noire. Ces pionniers qui ont donc montré le chemin à l'ensemble du continent étaient jeunes. Ils avaient la plupart votre âge au moment où ils s'engageaient dans cette lutte autrement plus complexe et risquée pour notre liberté et notre souveraineté. En cette belle journée du lundi 2 octobre 2017, jour solennel de la célébration du 59e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, je m'incline pieusement devant la mémoire de ces vaillants devanciers qui, au prix d'énormes sacrifices, ont permis qu'elle advienne et que nous soyons des citoyens libres et indépendants d'une nation souveraine participant pleinement au concert des nations. La commémoration de cette date historique me donne l'occasion et l'insigne honneur d'adresser à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens d'ici et de la diaspora mes chaleureuses félicitations au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, Professeur Alpha Condé, et au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Ce jour est une occasion pour réaffirmer notre profonde gratitude à tous ces vaillants pionniers de la lutte pour cette indépendance nationale. Cette fête nous rassemble parce qu'elle exalte notre liberté retrouvée et met à l'honneur nos intrépides pionniers et pères fondateurs qui se sont battus pour cette liberté, mais aussi rappelle à notre jeunesse dynamique qui porte nos espoirs pour le futur, la voie à suivre pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, chers jeunes, cette grande manifestation que vous avez pris l'initiative d'organiser à l'occasion de la date anniversaire de l'indépendance de notre pays me donne l'opportunité de saluer votre engagement citoyen en faveur de votre pays, notre pays la Guinée, mais aussi la reconnaissance que vous témoignez à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré depuis des décennies, d'abord pour la souveraineté nationale et ensuite pour l'édification de la nation guinéenne. Mais je ne saurais laisser passer cette belle opportunité sans partager avec vous, chers jeunes de Guinée, des questions qui nous interpellent tous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Ces questions que je voudrais partager avec vous concernent l'engagement qui doit être le nôtre, les initiatives que nous devons tous porter, les actes que nous devons poser au quotidien, individuellement ou ensemble, pour l'édification d'une nation guinéenne
prospère et solidaire, portant haut les valeurs d'unité nationale, mais aussi celles prônées par notre devise nationale, le travail, la justice et la solidarité. Chers jeunes de Guinée, vous savez que nous considérons traditionnellement que notre pays compte 4 grandes régions naturelles. Mais nous savons également que dans chacune de ces régions, cohabitent en fait multitude de communautés présentant une grande diversité d'ethnies, de langues, d'us et coutumes, de pratiques religieuses et j'en passe. Cette grande diversité, que dis-je, cette grande richesse, doit être vue comme un capital dont nous avons hérité et que nous avons le devoir de faire fructifier pour construire une nation guinéenne forte. C'est à cet impératif que les valeurs d'unité nationale nous invitent. Donnons-nous la main, collaborons, coopérons, voyons dans nos différences et notre diversité une force, une richesse, une somme de compétences pour conduire le navire guinéen à bon port dans l'océan des défis du monde global dans lequel nous vivons. Pour réussir ce pari, nous pouvons nous aider en outils que les pères fondateurs nous ont légués. D'une boussole infaillible représentée par les valeurs prônées par notre devise nationale, le travail, la justice et la solidarité. Je reviens là-dessus parce que c'est la devise de la Guinée. Ces valeurs, nous ne devons jamais les oublier. Chers jeunes de Guinée, la construction d'une nation, de la nation guinéenne, à l'instar de la construction de toutes les nations du monde, demande la conjugaison de nombreux facteurs. Mais s'il en est un qui est incontournable et dont le rôle et l'impact sont unanimement reconnus, c'est le travail. Après avoir accédé à la souveraineté nationale, nous ne pourrons être véritablement indépendants qu'avec le travail. Construire une nation, bâtir un système d'éducation et de santé, développer l'agriculture et l'élevage, construire des voies de communication, maîtriser l'eau et l'énergie, exploiter nos ressources humaines, etc. Vous aurez bien compris que rien de tout ceci ne peut être possible sans le travail des filles et des fils de la Guinée. Alors, jeunes de Guinée, je vous le demande, comme les jeunes chinois, comme les jeunes européens, comme les jeunes indiens, comme les jeunes japonais, comme les jeunes américains, comme tous vos frères africains, retroussez-vous les manches, saisissez-vous des outils à votre portée et chacun dans son domaine, mettez-vous au travail. Œuvrez à la construction de la nation guinéenne. Une autre valeur sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention est la justice que prône notre devise nationale. Tous les grands empires et toutes les grandes nations qui se sont constituées au cours de l'histoire de l'humanité ont reposé sur un ensemble de règles partagées, un corpus juridique unique et un système judiciaire unifié. De nos jours, les nations modernes aspirent à se construire sous l'empire de l'état de droit. La justice veut dire que nous avons des lois bien faites qui protègent tous les citoyens sur un pied d'égalité, qui délimitent clairement les droits et devoirs de chaque citoyen, qui sont acceptés et respectés par tous les citoyens. Permettez-moi donc de vous le dire clairement et sans embâge. Respecter la loi, c'est respecter votre prochain. Respecter la loi, c'est respecter vos parents.
Respectez la loi, c'est vous respecter vous-même. Respectez la loi. La loi de votre pays, c'est respecter votre pays. Tous ceux qui vous entraînent sur les sentiers tortueux de l'illégalité vous égarent et vous trompent. Permettez-moi enfin, chers jeunes de Guinée, de vous parler de cette autre valeur prônée par notre devise nationale, qui est la solidarité. Travaillez pour bâtir une nation prospère. Renforcer la justice pour faire de cette nation un état de droit devrait, à n'en point douter, contribuer à l'émergence d'une Guinée forte. Mais comme vous le savez, aussi bien les pères fondateurs de notre Guinée que le chef d'État, le professeur Alpha Condé, n'ont voulu d'une Guinée riche et prospère sans la solidarité. En effet, c'est par la solidarité qu'une nation prend en charge ceux de ses fils et de ses filles qui ne sont pas, pour de multiples raisons, intégrés dans le circuit de la construction du pays et de la création de la richesse nationale. Je veux parler des enfants, des jeunes dans le système d'éducation et de formation, des personnes qui ne sont plus en âge de travailler et de toutes les personnes vulnérables. C'est par la solidarité que nous pourrons offrir à nos enfants un système d'éducation qui leur garantisse un avenir dans le monde globalisé et concurrentiel que nous vivons. C'est par la solidarité que nous construirons un système de santé viable et accessible à tous. C'est par la solidarité que nous pourrons créer un système de protection de nos citoyens les plus faibles. Et j'en passe. En commençant mon discours tout à l'heure, je vous disais que ceux qui se sont engagés dans la lutte pour l'indépendance de la Guinée et la construction de la Guinée moderne étaient jeunes au moment où ils entamaient cette lutte et relativement jeunes au moment où ils ont pris en main les destinées de la Guinée. Il faut savoir par exemple que le président Sékou Touré n'avait que 36 ans au moment de l'indépendance et la majorité de ses collaborateurs étaient bien plus jeunes. Mesdames et messieurs, chers jeunes, j'ai tenu à vous faire ce rappel d'un certain nombre de valeurs qui ont été au cœur de la fondation de la nation guinéenne. La liberté, qui est l'intitulé de notre hymne national. Le travail, la justice, la solidarité, mais aussi les valeurs d'unité nationale et de panafricanisme que notre hymne national n'a jamais cessé. Notre hymne national et notre nation n'ont jamais cessé de démontrer à travers un engagement constant et sans faille partout où la liberté et la dignité des Africains étaient menacées ou remises en cause tout au long des 59 années de notre indépendance. Toutes ces grandes œuvres qui nous paraissent si extraordinaires aujourd'hui ont été conçues et mises en œuvre par de jeunes Guinéens dont plusieurs n'avaient pas 30 ans. Chers jeunes de Guinée, je vous invite à retrouver l'esprit de ces pionniers. Ce sont certes nos pères et nos grands-pères, mais n'oublions pas qu'ils ont été jeunes comme nous. Ils ont eu un idéal, ils se sont battus pour cet idéal et ils ont accompli de véritables miracles dans un contexte extrêmement difficile et hostile. Vous ne devez pas avoir peur de rêver grand, d'avoir de l'ambition pour vous-même et pour votre pays. De vous lancer dans la lutte pour l'émergence économique de la Guinée. Battez-vous pour construire votre pays et non pour le détruire. Le plus long voyage commence par un premier pas. Faites un premier pas aujourd'hui. Demain, vous aurez peut-être envie d'en faire deux. Et après demain, trois ou quatre. Vous verrez qu'à la fin de l'année, vous aurez parcouru un long chemin. Le voyage auquel je vous invite
est un voyage vers vos frères guinéens. C'est un voyage de la Basse-Guinée vers la Guinée forestière. Un voyage de la Haute-Guinée vers la Moyenne-Guinée. C'est un voyage qui se déroule sur les sentiers de la fraternité, sur les chemins de l'amour du prochain. C'est un voyage auquel je vous invite tous à l'unisson et vous verrez que la distance n'en sera que plus courte. Mesdames et messieurs, chers jeunes, pour terminer, je voudrais, au nom du chef de l'État et du gouvernement, à l'occasion de la commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, en ce jour du 2 octobre 2017, lancer un appel solennel et tendre une main fraternelle à la jeunesse de notre pays pour l'inviter à mener le combat de l'unité nationale et de la construction de la Guinée de demain, votre Guinée. Bonne fête d'indépendance à tous les jeunes de Guinée. Vive la jeunesse guinéenne unie, responsable. Vive l'unité nationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour son allocution. Mesdames et messieurs, chacun parlant l'indépendance ici présent, Monsieur Mohamed Touré et votre soeur, chers jeunes, n'ayez pas peur, je n'ai pas peur de discours, il y en a eu suffisamment comme ça. Un de nos illustres grands frères qui a disparu aujourd'hui, et c'est l'occasion pour moi d'avoir une pensée pieuse et de vous y associer à tous ceux qui ne sont pas là pour célébrer cette fête. C'était Gandhi, il disait que la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Donc je ne vais pas faire un grand discours, je vais juste vous féliciter, je n'irai pas plus loin que ce que Mustapha et Gassama ont dit ici. Je veux vous souhaiter bonne fête et vous dire que si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'il y a eu plusieurs générations, c'est parce que toutes ces générations ont multiplié ce que la précédente avait fait. J'ai un grand leader qui me disait tout le temps, une équipe ce n'est pas une addition de talents, c'est une multiplication de talents. Si à l'intérieur du talent et de l'équipe il y a un zéro, toute l'équipe est zéro. Aujourd'hui, grâce à vous, vous venez de démontrer que vous êtes une vraie équipe et qu'il n'y a pas de zéro entre vous, qu'il n'y a que des talents. Et grâce à ces talents, on est là ce soir. Donc merci encore, bonne fête et surtout préparez avec autant de sérénité, autant d'engagement, l'année prochaine, ça sera les 60 ans, si Dieu nous prête vie. Merci. Merci, monsieur le ministre. À présent, mesdames et messieurs, sans plus tard. Ma mère aussi, notre sociologie est un atout. Nier une partie de cette sociologie serait de nuire à cette sociologie. Notre territoire est un tout. En soustraire une partie ferait éclater tout le territoire. Notre patrimoine culturel est un tout. L'émietter lui enlèverait tout son sens. Notre peuple, le peuple de Guinée, est un tout. Au-delà de sa diversité, l'unier cette unité historique et culturelle, ce serait aussi une partie de ce peuple. Une autre évidence s'impose, une nation. Notre nation, elle n'adviendra que dans cette logique de tout, d'unité symbolique et de vérité rédemptrice. Il n'y aura pas de sous-sous s'il n'y avait pas de mannequin. Il n'y aura pas de mannequin s'il n'y avait pas de Peul. Il n'y aura pas de Peul s'il n'y avait pas de Thomas, de Kissy ou de Guernsey. Cette réalité n'est pas un simple vœu de bon sentiment. C'est une réalité mathématique de l'ensemble de ce qu'on appelle l'altérité. Il faut l'autre pour exister soi-même. Sans l'autre, moi n'existe pas. Alors pourquoi résister à l'évidence? Voici la vérité. Voici notre défi, celui d'accepter cette évidence, d'agir en conséquence pour une communauté de destin, pour une communauté de nation, pour une communauté d'histoire. Nous sommes, vous êtes dans une démarche perpétuelle d'invention, de créativité, d'innovation, de métissage, d'intelligence et de promotion. C'est pourquoi, en cette date historique d'indépendance, de liberté,
de dignité. Nous devons tous ensemble, Guinéens, jeunes, moins jeunes ou plus âgés, accepter l'évidence. La Guinée sera ou ne sera pas tant que nous ne nous accepterons pas les uns et les autres. Il y a quelque chose d'émouvant aujourd'hui. C'est extrêmement émouvant, ce n'est pas un simple mot. Nous nous connaissons tous à peu près ici. Il y a une diversité. Tous ceux qui sont là ne partagent pas les mêmes opinions, n'ont pas parfois les mêmes choix. Mais ils ont accepté de se donner la main pour l'essentiel. L'essentiel, c'est cette liberté qui a été recherchée par le port fondateur. Ils l'ont cherchée avec leur âme, avec leur courage. Nous devons nous rassembler autour de ce combat. Elle est le symbole de l'éloge de la liberté, de la justice, de la dignité, de l'égalité. Ce combat gagné fièrement contre une pratique coloniale infamante ne doit simplement être vu comme le combat du noir contre le blanc. Il doit aussi être vu comme le combat du juste contre l'injustice, le combat de la liberté contre l'aliénation, le combat de l'illégalité contre le combat de la légalité contre l'illégalité. C'était valable hier. Ça l'est tout autant aujourd'hui. Et pour chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, à chacun d'entre vous ici, à chaque fois que vous acceptez, sans bouger, un acte d'injustice, une pratique d'aliénation, un soupçon d'inégalité, vous niez le combat de tous ceux et toutes celles qui se sont battus contre la colonisation et pour l'indépendance et la liberté de ce pays. Et vous affaiblissez ainsi les vertus de ces grandes valeurs qui sont la justice et la liberté. Cette indépendance, c'est aussi l'esquisse noble d'un idéal national et démocratique. Permettez-moi de vous dire ceci. Si nous voulons être fiers des pères fondateurs de cette nation courageuse, il nous faut incarner chaque jour, chaque instant, dans chacun de nos actes, ce qui a constitué les fondements même de leur combat, c'est-à-dire le refus de la privation de liberté. Si nous voulons aujourd'hui être fiers de cette indépendance, il nous faut transposer ce combat de la liberté, de la justice et de l'égalité dans notre pays et faire en sorte qu'à Guinée, il n'y ait aucun Guinéen qui souffre de manque de liberté, de justice ou d'inégalité. Je voudrais terminer en invitant chacun d'entre vous, chaque instant, à penser que pour être fier, il faut continuer à poser les actes qui doivent justifier notre fierté. La Guinée peut, nous pouvons ensemble relever ce pays, à condition que chacun d'entre nous, chaque matin, pense justement à ceux qui se sont battus pour la liberté de ce pays, mais aussi à ceux qui souffrent, puisque le cœur est aussi un ciment de la nation qui est une âme. Vive l'indépendance de la Guinée, vive la nation guinéenne, vive la jeunesse. Et bonne fête à tout le monde. Citoyenneté et honnêteté dans son propos, Monsieur Khalifa Gassama Gabi. La Miss Guinée 2016, Safia Toumou Baldé, qui a été très active dans le processus d'organisation de l'anniversaire de notre pays. Monsieur le membre du gouvernement également, pour se mettre autour de Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, veuillez laisser le plateau passer. S'il vous plaît. Je m'avais appelé également Monsieur Mohamed Touré, secrétaire général du PDG. Voilà, téléphone là. Monsieur Baouri également, Monsieur Sansi Kaba Diakité. Vous savez, c'est le porteur du projet Conakry Capital Mondial du Livre, finalement devenu une réalité ici pour contribuer à la culture de la jeunesse guinéenne. C'est lui qui a offert ses bâches et ses chaises pour la réussite de cette cérémonie, mesdames et messieurs. Veuillez applaudir pour M. Sansi Kaba, s'il vous plaît. Merci. Merci, Chib.
est invité également autour de ce gâteau. Et nous allons procéder à son découpage, s'il vous plaît. Merci, Chip. Doucement. Le couteau, l'instant solennel, l'instant précieux, la Guinée, 59 ans d'existence, 59 ans de fierté, de dignité, 59 ans de travail, de justice et de solidarité. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée, fière et jeune, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée, prêche en unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver, bâtissant l'unité africaine dans les dépendances de couler. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est un moyen de marcher, lauréat du prix de la jeunesse francophone. On peut y voir tous avec nous ce soir. Alors, on va procéder à l'écoupage du gâteau. Monsieur le premier ministre chef du gouvernement du Bénin, comme... Ouais, il était à la mec. C'est bien, non? Je vais en celle.